pourquoi parler de la morue? En fait, ce livre vient après un premier livre qui s'appelait Terre Neuve, où j'ai enquêté sur l'histoire de la grande pêche à l'époque de la voile dans la région de Saint-Malo essentiellement, parce que je suis originaire de Saint-Malo. Et j'avais envie d'aller plus loin et de raconter cette histoire d'un poisson qui, pendant 5 siècles, a véritablement marqué toute une partie, au moins de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. J'ai été très frappé par la dimension d'une mondialisation avant l'heure. C'est-à-dire que dès le XVIe siècle, on traverse des océans, on retraverse un océan pour ramener le poisson. Très rapidement, on va exporter dans tous les coins du monde. La morue donne lieu très très tôt à ces grands circuits économiques et évidemment aussi à des circuits humains. Quand on pense qu'il y avait 10 000 hommes sur les bancs de Terre-Neuve, qu'il y en avait également en Islande, qu'il y en avait un peu partout, à aller pêcher cette protéine du pauvre, ça représente une histoire humaine considérable, avec un espèce de mouvement comme la marée, de flux et reflux de ces hommes qui traversent des océans. Et puis derrière, il y a aussi tout le travail, une fois que la morue est ramenée à terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, le lien est net avec Bordeaux, et en particulier avec Bègle. Bordeaux devient, après Marseille au XVIIe, XVIIIe, Bordeaux devient au XIXe le grand centre commercial. 70% de la morue débarquée est traitée ici, à Bordeaux-Bègle. Il y a 30 des 36 sécheries françaises qui sont concentrées à Bègle, et il y a véritablement un lien entre cette histoire de la morue et cette histoire bordelaise que, moi, breton, j'ai découvert en venant ici à Bordeaux, et ça a été une vraie révélation.